Relié à une centaine de pays dans le monde par des transporteurs maritimes renommés, Montréal est le port international le plus proche du cœur industriel de l'Amérique du Nord. Le chemin le plus court entre ce marché de 100 millions de consommateurs et ceux de l'Europe du Nord et de la Méditerranée passe par le port de Montréal. Ici, on décharge et on recharge au complet les porte-conteneurs qui, en un seul arrêt à un seul port, donnent accès en toute saison au centre du Canada, au Midwest et au Nord-Est américain. Le Saint-Laurent étant l'un des plus grands fleuves au monde, le port de Montréal peut accueillir des océaniques de tout genre et de toute dimension ou presque, dont des bâtiments pouvant transporter jusqu'à 4100 conteneurs de 20 pieds ou l'équivalent. Le port de Montréal est un chef de file parmi les ports à conteneurs desservant le marché de l'Atlantique Nord. Il manutentionne annuellement plus d'un million de conteneurs EVP. Le trafic conteneur exporté et importé au port est si important qu'il favorise les économies d'échelle. Il permet aux transporteurs maritimes d'offrir des services réguliers avec des arrivées et des départs hebdomadaires et même bi-hebdomadaires, lesquels sont particulièrement appréciés des entreprises qui veulent s'approvisionner juste à temps. Mais le port de Montréal ne reçoit pas que des conteneurs. Par ses quais passent aussi chaque année environ 10 millions de tonnes de marchandises diverses non conteneurisées, de vrac solide et de vrac liquide. Ces installations comprennent 4 terminaux à conteneurs, des aires ouvertes et des entrepôts spécialisés, des rampes pour le trafic roulier, des quais pétroliers et un terminal céréalier ayant une capacité de chargement de 5500 tonnes à l'heure. Des installations modernes pour tous les types de fret. Et bien sûr, une gare maritime pour accueillir chaque année des milliers de croisiéristes à bord de véritables palais flottants. Le port de Montréal a le grand avantage de pouvoir compter sur un excellent système de transport intermodal. Navires, trains et camions se relaient pour livrer les marchandises dans les plus brefs délais, de leur point d'origine à leur destination finale. Ce port se distingue en exploitant son propre réseau ferroviaire à l'intérieur de son territoire. Grâce à ce réseau de plus de 100 km de voies ferrées, les compagnies de chemin de fer Canadien Pacifique et Canadien National ont accès à presque tous les postes à quai, éliminant ainsi l'étape de transbordement intermédiaire souvent nécessaire dans les autres ports. Les installations portuaires ne sont qu'à quelques minutes d'un vaste réseau autoroutier. Pas moins de 25 transporteurs routiers relient le port au marché du Québec, de l'Ontario et du Nord-Est américain. Le port de Montréal compte parmi les ports les plus sûrs au monde. L'administration portuaire de Montréal a investi plusieurs millions de dollars dans l'amélioration de la sécurité sur son territoire. Par exemple, au centre de contrôle de la capitainerie, ouvert 24 heures par jour, 7 jours par semaine, les coordonnateurs peuvent surveiller tout le territoire portuaire grâce à une cinquantaine de caméras vidéo. Sont également reliés au centre tous les systèmes de sécurité, les patrouilles de sécurité et celles de prévention des incendies. Si la technologie a contribué à rendre le port plus sûr, elle l'a aussi rendu plus efficace. Pensons au réseau portuaire de télécommunications par fibre optique, à la transmission électronique des manifestes des navires, aux cartes marines électroniques qui donnent plus de précision à la navigation par satellite et aux lecteurs électroniques de niveau d'eau qui permettent d'optimiser le chargement des navires à fort tirant d'eau. Mais la technologie et l'ingéniosité ont aussi permis de dompter l'hiver au port de Montréal. Depuis 1964, des techniques toujours plus avancées tiennent le chenal de navigation libre de glace. Malgré des hivers parfois rigoureux, les navires vont et viennent en toute saison au port de Montréal.